Hallo und guten Tag an alle. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Soyez les bienvenus à toutes et tous, que vous ayez participé déjà ou que vous participiez pour la première fois. Notre manifestation s'inscrit dans une série de trois tables rondes et en deux ou plusieurs langues pendant lesquelles nous voulons regarder de plus près quel est donc l'impact sur le secteur culturel sous la triple présidence et dans le 30e, pendant les années des 30 ans du triangle de Weimar. Voilà, nous avons déjà commencé à parler en date du 28 septembre sur les moments utopiques pendant la pandémie, le réajustement et le rôle de la culture. Et le 18 octobre, nous allons donc discuter à 15h30 sur le rôle des villes européennes pour être le trait d'union entre la culture et la durabilité. Voilà, cette série est organisée par la Fondation de Gensagen avec le soutien de la déléguée aux affaires des cultures et des médias du MESIDA, du gouvernement fédéral. Voilà, le chat aura lieu en anglais pour être un peu plus souple. Et vous pouvez vous informer aussi à travers le chat quant au programme. Voilà. Moi-même, je suis AC Coppens. J'ai créé The Catalyst. C'est une agence pour les entreprises créatives et innovatives qui agissent à l'interface des technologies numériques, du film, des médias, du design et de la musique. Donc, nous explorons de nouvelles tendances dans le domaine de la technologie, dans les sciences, la politique, l'art et la culture. Et nous aimons faire des conférences, des lieux d'échange d'expériences et de savoirs et de co-création à travers notre propre animation. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais donc donner quelques informations. Ensuite, je passerai à la présentation des participantes. Nous sommes très internationales aujourd'hui et pour cette raison, pour que tout le monde puisse comprendre tout ce qui se dit. Voilà, vous avez en bas de l'écran Zoom un petit globe. En cliquant là-dessus, vous pouvez choisir le canal linguistique que vous souhaitez écouter. Il y a donc l'allemand, le français et le polonais. C'est donc la langue que vous allez entendre, puisqu'il y aura trois langues au courant de ce débat virtuel. Moi, je vais essayer de parler l'allemand. La dernière fois, j'ai changé beaucoup entre le français et l'allemand, mais aujourd'hui, je vais essayer de rester dans la langue allemande pour faciliter la traduction. Voilà. Je saisis l'opportunité pour remercier déjà à l'équipe des traductrices Barbara Hahn, Kerstin Elzner, Eva-Marina Steiger et Carolina Golimowska qui vont donc nous accompagner lors de nos passages d'une langue à l'autre. Voilà. On ne les voit pas, mais on les entend. Voilà. Si tout le monde a trouvé le bon canal, nous allons donc commencer directement. Tout d'abord, j'aimerais présenter le format, le sujet d'aujourd'hui. C'est les festivals. Qu'est-ce que c'est? C'est un événement culturel célébré en communauté, qu'il s'agisse de la musique, du film, de la danse, du théâtre. Ce qui compte, c'est l'événement en direct, en présence des artistes et son public. Il y a donc un lien, il y a une proximité physique, à savoir un contact physique direct ou avec peu de distance. Il s'agit donc d'un échange culturel international. Mais cette pratique culturelle a été lourdement impactée pendant la pandémie. Il y a eu des annulations, on a reporté des dates, des événements. On a dû essayer de nouveaux formats numériques. On a essayé d'avoir des formats plus petits avec un peu moins de public, avec des contraintes en matière d'hygiène et avec un encadrement scientifique. Alors, ce n'était pas facile. Et finalement, ces formats nous ont donc posé de nouvelles questions. Mais est-ce que ce suspense entre l'espoir, l'incertitude et la perte peut être maintenu? Et comment on gère la situation en France, en Pologne et en Allemagne? Et quelles sont les perspectives? Y a-t-il des nouvelles orientations? Et qu'en est-il, par exemple, de la durabilité?
Aujourd'hui, nous allons discuter avec Maria Carmela Mini de l'étude contemporaine de Lille avec Yvonne Budenholzer, de la rencontre des théâtres en Allemagne, Berliner Theater Treffen. Je vais vous présenter encore plus en détail. Et nous avons de la Pologne avec nous, Jerzy Kornowicz, de l'automne de Varsovie. Maria Carmela Mini, merci d'être venue, merci d'être avec nous. Vous avez créé le Festival Latitude Contemporaine en 2003 à Lille et depuis, vous êtes sa directrice. Ce festival montre une scène théâtrale contemporaine très engagée qui, au-delà des frontières, des disciplines et des cultures, cherche de nouveaux formats, cherche de nouveaux espaces. Maria Carmela, vous souhaitez créer des rencontres entre les artistes et le public et l'opinion publique pour pousser les gens à réfléchir autrement, à changer la manière de penser et d'interroger quant à la situation de la société. Vous êtes en plus présidente pour les affaires européennes de France Festival, qui est l'association la plus grande des festivals de musique et d'art en France. Soyez la bienvenue encore une fois. Ensuite, nous avons Yvonne Budenholzer avec nous, qui depuis 2012 dirige le Théâtre Treffen, rencontre théâtrale. C'est un festival de 15 jours qui a lieu une fois par an à Berlin et qui montre des productions remarquables de l'espace germanophone, mais aussi des artistes, de jeunes artistes du monde entier. C'est-à-dire, il y a donc une rencontre entre artistes, scientifiques, journalistes et le public, et où jeter des regards sur la situation et l'avenir. En même temps, Yvonne Budenholzer, vous êtes depuis cette année présidente de la section allemande de l'Institut international de théâtre. Vous êtes donc dramaturge et vous avez travaillé en tant que dramaturge pour des différents théâtres municipaux et pour des ensembles indépendants. En même temps, vous vous engagez pour l'égalité des chances dans le théâtre et pour cela, vous étiez lauréate du prix pour femmes de Berlin. On vous a donc décerné ce prix à cause de votre engagement pour l'égalité des chances. Maintenant, Jerzy Kornowicz, vous êtes depuis 2017 directeur du Festival international pour la musique contemporaine l'automne de Varsovie, qui est le festival le plus grand international pour la musique contemporaine en Pologne. Et depuis 1956, déjà, ce festival a pour but de promouvoir et de présenter une nouvelle musique de Pologne et du monde entier. Vous êtes compositeur et pianiste d'improvisation et vous avez créé des groupes, par exemple Matt Cavaliers, qui essaie de réunir l'improvisation, la musique du jazz et d'autres musiques alternatives. Depuis 2013, vous êtes président de Creative Poland, qui est une association des artistes polonais et des entreprises créatives. Avant, vous étiez aussi le président de l'Association des compositeurs polonais et vice-président du Conseil des ONG au sein du ministère de la Culture. Donc, vous connaissez plusieurs perspectives, la culture, l'art, d'un point de vue social. Vous vous intéressez également à la sociologie et à l'anthropologie de la culture. Vous êtes un grand partisan de la coopération horizontale entre les différents groupes sociétaux. Donc, vous êtes des personnes d'office, en quelque sorte, toutes et tous, très bien. Et finalement, cela me mène à vous créer un lien entre vous et le public. Nous avons prévu 4 parties. Tout d'abord, nous allons donc regarder quelques films. Nous voulons jeter un regard sur les dernières saisons. Quelles sont les leçons? Qu'est-ce qui est important pour la coopération, la collaboration? Et les prochaines étapes à suivre. Ce sera grosso modo le fil conducteur de notre débat d'aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais, avant de me taire, nous regardons un petit peu les 2 dernières saisons de festival. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020-2021 en France, en Allemagne et en Pologne?
les trois pays ont entamé des voies différentes. Qu'est-ce qui était différent? Quelles ont été les approches par rapport aux différentes disciplines artistiques, par rapport aux conditions différentes quant au degré de connaissance, quant à la portée des festivals? Vous avez donc géré de manière différente la situation de la pandémie. Et Paul de la Fondation Gonzaga va nous montrer le premier vidéo. Super beau. Bon, plein de formes différentes, plein de corps différents. C'est une expérience super enrichissante. J'ai énormément aimé le programme de ce soir qui était vraiment hyper bouleversant. Il y avait plein de spectacles super divers et généreux et dynamiques. Et ça faisait du bien voir des choses qui sont engagées. I'm really happy to come to Latitude Contemporaine and to perform my work again. Gianni Caserotto hat eine fantastische Musik gemacht für diesen Trailer. Une musique fantastique pour ce trailer. Voilà, on a envie d'y aller tout de suite. Maria Carmela. Bonjour. Racontez-nous un petit peu. Bonjour. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Comment avez-vous vécu la situation? Quelle était la situation chez vous lors de la pandémie? Alors, en fait, la pandémie s'est passée en deux temps, puisque donc le festival a été annulé donc en 2020, puisqu'on était vraiment au milieu de cette pandémie avec une impossibilité totale de faire des représentations. Et puis, petit à petit, les choses se sont réouverts, en tous les cas le gouvernement a pris des dispositions pour que on ouvre avec des conditions et des restrictions très très importantes. Donc bien évidemment il fallait décider si on allait jouer ou pas, donc puisque évidemment il faut faire des calculs de prise de risque, c'est-à-dire est-ce que le public va suivre, d'un point de vue économique est-ce que ça va aller, etc. Donc est-ce que l'énergie qu'on va mettre à réouvrir va être suffisante et va répondre à la nécessité des difficultés qu'on va rencontrer. Mm-hmm. Et puis, finalement, il me semblait extrêmement important de faire ce festival en juin 21, parce qu'il fallait retrouver le public, il fallait retrouver les artistes en chair et en os, donc dans une réalité et dans un partage. Et notre président, donc Emmanuel Macron, avait utilisé cette formule « nous allons assumer cette pandémie ». Quoi qu'il en coûte. Et donc moi j'ai repris la phrase en disant je vais faire ce festival à 21 quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Tout à fait. Et donc donc voilà. Et en fait c'était très bien, même si on a commencé la première, enfin donc on avait un gros festival puisqu'il y avait un report des spectacles de l'année précédente.
Et donc, il y avait, je ne sais plus, plus de 50 spectacles. Et en même temps, c'était une aventure fabuleuse pour nous et le public. Et donc, il y avait énormément de contraintes parce que la première semaine, on a commencé avec une jauge très petite, donc à 35%. Donc, ça veut dire vraiment minimal. Mais en même temps, comme je le savais, j'ai vraiment anticipé les choses, c'est-à-dire que j'ai fait les choses en extérieur, dans des espaces grands, et donc ce qui permettait d'avoir une jauge quand même correcte. Et puis ensuite, pour les trois semaines suivantes, on est passé à une jauge à 75%, ce qui était beaucoup mieux, évidemment, pour accueillir le public et dans des meilleures conditions. D'accord. C'est-à-dire, le grand défi, c'était du coup d'avoir à travailler avec un public réduit au début. C'est ça. Voilà, merci. Je m'adresse à Yvonne pour justement avoir aussi ton impression. Mais avant, il y aura de nouveau un tout petit film de ton festival Theater Treffen. Paul, s'il vous plaît. Quand il était clair que le festival va se dérouler sous des formes numériques, c'était vraiment une impulsion que j'avais reçue et j'étais prête à diriger le festival sous cette nouvelle forme. Pour moi, je comprends ça comme un élargissement, tout comme l'espace sociétal, l'espace politique, l'espace économique ne se sont pas arrêtés à l'Internet, l'ont bien utilisé. Ceci concerne aussi la culture et l'art. Ce qui était important, c'était toujours de voir sous quelle forme le public a pu participer. Nous avons la fonction chat, nous avons d'autres possibilités et c'est pour cela que nous avons pris la décision de numériser certaines scènes et nous avons utilisé le format trois-dimensionnel et pour nous, c'était un domaine de recherche. Voilà. Le résultat du travail des 18 mois qui vient de se passer, ce sont donc des exemples des nouveaux formats numériques. La tâche de la rencontre de théâtre, c'est de faire connaître les différentes scènes qui sont en place et qui se réalisent. Voilà, Yvonne, maintenant, on voulait t'entendre en direct. Peut-être tu pourrais partager avec nous tes expériences. Quelle était ta situation ? À l'époque, comment avez-vous réagi face à la pandémie? Quel était le plus grand défi à relever tout au début? Au fond, bonjour, je suis très contente de pouvoir participer à cette rencontre. Au fond, c'est tout à fait comparable avec Maria, Kamala, en 22. On était en situation de confinement total. Nous avons dû annuler le festival et relativement vite, nous avons essayé de sortir de cette situation de choc total. Et on a commencé à réfléchir, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre dans les lieux d'hébergement des STF? Est-ce qu'on va jouer en plein air? Et très vite, nous avons donc compris qu'il faut se concentrer sur notre tâche principale, et ça, c'est de faire l'art. Nous avons fait un développement tout à fait nouveau. Tout le monde était donc à domicile pour faire le travail. On avait des restrictions énormément strictes. On a commencé à s'adresser aux différents théâtres pour recevoir des enregistrements de leurs pièces. Nous avons coopéré avec le théâtre de Dortmund. On a développé un discours assez large en ce qui concerne les caractères numériques du théâtre. Et finalement, on s'est focalisé sur la numérisation de la vie théâtrale en situation de confinement. C'était un vrai succès.
puisque ceci a permis la large participation du public. On avait 120 000 suiveurs. On ne sait pas à quel degré le public participe vraiment, mais il faut dire que tout le monde était en situation de confinement. On n'avait pas les habitudes de suivre les screamings, etc. Et ça, finalement, pour nous, c'était un avantage. Les gens étaient chez eux, ils avaient le temps, ils se sont branchés sur nos retransmissions. Et voilà, nous avons profité de ce nouveau format. C'était le premier festival. Et ensuite, on s'est dit, pour le nouveau festival, on a dit, ah ben, il faut faire le festival avec présence. Coûte que coûte. Alors, coûte que coûte, c'était un peu la même devise que pour Maria Carmela. Tu étais décidée de le faire? Oui, moi, j'avais pensé que la présence physique est possible. Et après, à partir du mois de mai, on s'est trouvé dans une sorte de phase intermédiaire assez étrange. Les théâtres n'étaient pas ouverts, mais on ne pouvait plus décaler le festival. Et nous avons donc pris la décision d'utiliser de nouveau le format numérique. Nous avons donc fait tout le travail de développement sous forme numérique. Nous avons fait des streamings en direct avec les artistes, avec les créateurs. Nous avons fait des enregistrements. Nous avons développé une scène numérique. Nous avons donc tout le programme du festival offert gratuitement. Donc, on n'avait pas de paywall, on ne voulait pas être payé. Donc, entre-temps, on a pu professionnaliser à 100% notre travail. Nous avons travaillé avec les ordinateurs, avec des câbles, avec la nouvelle technique. C'était le festival de 2021. On a appris plein de choses et le plus grand défi pour nous, après coup, c'est finalement clair, mais c'est qu'on ne peut pas transposer un à un problème analogue en un format numérique. Il faut de nouveaux formats, il faut des nouvelles méthodes, des formes hybrides et des formes numériques. Ça demande énormément d'efforts. Donc, je souligne ce que je viens de dire au début, on ne peut pas assurer un transfert un à un de la forme analogue en la forme numérique, et ça, c'est vraiment la leçon que nous avons tirée de cette expérience. Dans la deuxième partie, nous allons y revenir. J'en suis sûre, je suis très curieuse, et j'imagine que notre public aussi. Maintenant, je m'adresse à Yergi. Yergi, je dois m'entraîner pour bien prononcer ton nom. C'était comment pour toi? Quelle était la situation? Nous allons avoir la réponse à cette question après avoir vu la vidéo de l'automne de Varsovie. Człowiek będzie się czuł człowiekiem.
Wunderbar. Formidable, magnifique. Yagir, dis-nous, partage avec nous tes expériences. C'était comment pour vous, chez vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment avez-vous réagi? Je vous souhaite la bienvenue à vous tous. Je me réjouis énormément que je puisse vous parler de l'automne de Varsovie. Au fond, nous étions très heureux dans ce malheur, puisque au mois de septembre, c'est donc toujours la date de notre festival, l'automne de Varsovie. C'est une période où il n'y avait plus de confinement, ni en 2020, ni en 2021. Donc, on a pu réaliser deux festivals qui ont pu se passer dans des conditions tout à fait normales. L'automne de Varsovie dure chaque fois 9 jours avec 3-4 grands événements. Mais ça se passe aussi dans les différents clubs pour enfants, pour jeunes, etc. Tout ceci a fait que le festival de Varsovie a pu se passer partout dans la ville, aux différents lieux, aux différents endroits. C'est un festival qui crée une grande communauté de public. Heureusement, nous avons pu réussir le programme dans sa totalité. Nous avons modifié le programme. On avait déjà commencé au mois de février, mars, à préparer le programme, mais au mois de juillet, on avait déjà la troisième ou quatrième version du programme, puisqu'il fallait l'adapter en permanence. Il y a eu des musiciens qui n'ont pas pu participer. Il fallait donc procéder à un mode d'adaptation permanente de notre programme, étant donné que certains artistes n'ont pas pu venir et certains événements n'ont pas pu se passer. Les sponsors nous ont soutenus, le ministère de la Culture également nous a soutenus et nous avons pu donc profiter du budget dans sa totalité. Ça a coûté une fortune. Et le budget n'a pas pu être couvert par la recette et nous n'allons pas pouvoir couvrir entièrement les dépenses. On avait un modèle financier particulier qui constituait la base, mais on avait quand même des lacunes financières qui étaient difficiles à couvrir. Visa X, c'est donc une structure qui aide les artistes avec des financements particuliers. Nous en avons pu profiter, mais de nouvelles formes de communication ont été développées que nous avons testées. C'était un vrai travail de recherche pour nous. On avait donc un festival avec l'option plus, c'est-à-dire le festival normal et en plus la numérisation, l'utilisation de l'Internet. Beaucoup de choses ont pu être présentées sous forme numérique. C'est vraiment passionnant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression, en fait, par rapport à tout ce que vous avez dit, que nous sommes déjà en train de traiter un deuxième point clé. En fait, le plus grand défi que vous aviez respectivement était lié à la durabilité ou comment survivre s'il n'y a que 35% ou si c'est gratuit et les formats utilisés avant n'ont plus fonctionné. Il fallait changer, il fallait trouver de nouveaux formats numériques, techniques, équipements et le un autre point soulevé, c'était aussi la durabilité numérique ou la viabilité et les incertitudes dans la planification de la programmation, puisque finalement, on n'était jamais sûr d'avoir le public à la fin. Je résume que pour moi, c'était les grands défis à gérer. Et quelles ont été les leçons que vous en tirez? Y a-t-il des nouvelles tendances qui s'esquissent à l'horizon, qui vont rester peut-être, qui se
pérennise éventuellement? Y a-t-il des tendances nouvelles et est-ce qu'il y a une accélération de certaines tendances? Je commencerai par toi, Yvonne, puisqu'à un moment donné, tu as dit... Je ne sais pas s'il y a une autre vidéo, sinon je poserai la question. D'accord, il n'y a pas de vidéo, donc je peux te demander directement. En presque présentiel, Yvonne, il y a plusieurs niveaux du présentiel, comme on peut voir. Tu as dit à un moment donné, dans un entretien, que le monde après Corona ne sera plus comme avant. Il est à nous, organisatrices du monde du théâtre, de la politique, de l'économie, de la société, de réfléchir sur le processus de transformation déclenché par la crise, et cela avec nos possibilités artistiques. Voilà, tu l'avais dit à un moment donné. Et tu as dit aussi que cette édition spéciale, à savoir faire du théâtre en numérique, est une nouvelle expérience. Et qu'est-ce qu'il en restera de cette expérience, selon toi? Je pense que ce sont deux questions. J'aimerais bien revenir sur la première question. Qu'est-ce que c'est la transformation? Je pense que c'est une tâche gigantesque pour les artistes de voir quels sont les thèmes qui doivent être traités, sur quels thèmes il faut se focaliser et quels thèmes doivent être agrandis. Et là, on est vraiment juste au début. La pandémie n'est pas derrière nous. La pandémie a renforcé certaines tendances négatives qui existaient déjà avant. Et ça, c'est tout à fait clair. C'est donc un vrai défi. Et finalement, on se dit comment on peut continuer. Qu'est-ce que nous avons tiré comme leçon? Moi, je trouve énormément dommage et je regrette. Et c'est certainement lié à l'insécurité, c'est la chose suivante. Les théâtres sont des machines d'accélération. Les théâtres étaient très, très riches en création pendant la pandémie. Ils ont donc développé des formats en très peu de temps et qui étaient des formats tout à fait nouveaux. On ne s'est jamais arrêté. Et je pense que c'était une erreur. Après coup, beaucoup de gens des théâtres me disent on s'est complètement dépensé pendant la pandémie pour garder la visibilité au lieu de s'arrêter un tout petit peu et de faire un petit bilan. Ça, c'est un point. Et là, on se pose la question comment on peut continuer. Les théâtres ne sont pas organisé de façon pour avoir un programme analogue et un programme numérique. Ce n'est pas forcément la tâche du théâtre d'être toujours disponible sur le plan numérique. Et là, je viens à ta question, qu'est-ce que nous avons appris? Un festival comme la Rencontre des théâtres, là, nous avons une exploitation de 100% de toutes nos possibilités, c'est-à-dire les billets avaient été vendus à 100%. Pendant la pandémie, il y a eu donc des propositions numériques qui ont fait disparaître des barrières d'accès. Moi, je voudrais plus y renoncer. Il y a un public qui est venu nous voir sous forme numérique qui ont profité du théâtre et qui n'auraient pas profité sous forme analogue. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne vont pas forcément au théâtre et qui subitement ont participé à notre vie théâtrale, à nos mises en scène. En ce qui concerne la durabilité, là également, nous avons appris des choses. Il était tout à fait normal, il y a quelques années, qu'on avait donc un vol pour une présence de 45 minutes d'un directeur de théâtre ou d'une scène ou d'un artiste, d'un acteur. Alors là, il fallait vraiment donc payer le vol, payer l'hébergement, payer tout le reste. Alors là, on se pose maintenant la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour des présences de courte durée? Est-ce qu'on ne peut pas travailler avec des vidéos? Est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres formes de faire participer certains gens et certaines troupes de théâtre. Alors là, nous avons maintenant la possibilité de bien voir quelles sont les possibilités qu'on va garder. Ensuite, le retour du public, regagner le public. Je vois maintenant que les théâtres sont ouverts,
les salles de public ne sont pas vides, mais il y a une certaine réserve du côté du public et ça, c'est donc un facteur qui joue un certain rôle. Il y a besoin de reposer. Évidemment, cette rencontre théâtrale, puisque nous parlons des festivals, c'est un cadre particulier, puisqu'il y a à Berlin 4 maisons, en fait 3 maisons physiques et la maison numéro 4 en tant que canal numérique virtuel qui paraît donc se pérenniser. C'est-à-dire, on a l'impression qu'à Berlin, le numérique a été intégré et que ce n'est pas seulement une fois par an qu'on organise ce genre de représentation. Tout à fait. Et moi, je crois que c'est une chose tout à fait intéressante de suivre le développement. Ça ne concerne pas seulement les théâtres HAU à Berlin, ça concerne aussi d'autres théâtres, mais la HAU à Berlin est connue pour son esprit d'expérimentation. Mais nous avons, pendant la première année de confinement, donc on est maintenant au deuxième festival, pour le premier festival de confinement, nous nous sommes donc concentrés sur le théâtre discursif et ensuite pour le deuxième, on avait déjà invité des mises en scène numériques. On a pu marcher pour une mise en scène, marcher à travers des univers numérisés. D'autres exemples existent. Une avait été invitée. C'est donc une mise en scène qui concerne la participation numérique. Et il y a plein de formats qui ne sont pas vraiment connus. Et je ne sais pas, et ça c'est fascinant de voir comment ces nouveaux formats vont être intégrés dans les programmes des différents théâtres. On avait donc certaines formes de communication avec le public qui sont très intéressantes et qui vont être suivies. Et on va voir comment on peut les intégrer dans les répertoires normaux. Je parle beaucoup, avec beaucoup d'acteurs. Et tu traites aussi la réalité augmentée. Vous avez testé pas mal de choses dans ce. J'aimerais poser aussi la question à Jerzy, puisque j'ai vu qu'il y avait aussi un mélange de musique et de numérique. Il y avait les écrans intégrés. Dans ton vidéo, il y avait des écrans et vous avez donc intégré des éléments numériques. C'était comment chez vous? J'espère que vous pouvez bien m'entendre. Il fallait que je change d'ordinateur. L'image est moins bonne. Après, je vais essayer de réutiliser l'autre ordinateur qui était meilleur. Il ne faut pas oublier que nous avions organisé un festival réellement existant sous forme analogue. On avait donc la possibilité de participer directement, de se rencontrer sous des conditions analogues. C'était même en 2020 comme ça. Et en 2021, on a vu que les gens avaient vraiment la tendance de vouloir se rencontrer, d'être ensemble. Et la peur qu'on avait que le public n'a plus envie de venir, va faire preuve de plus de réserve et de paresse, peut-être, étant donné que le streaming leur offre de nouvelles possibilités. Et les streamings étaient de très, très bonne qualité. On avait une centaine de personnes en 5 équipes qui se sont occupées professionnellement de la qualité du streaming. C'était vraiment donc une très, très bonne qualité de ce que nous avions produit. C'est-à-dire, on n'était pas obligé de nous mettre à la recherche de nouveaux formats. Dans la post-production, par exemple, on avait des enregistrements qui ont pu être utilisés un à un. Sarcomprofanum, c'est un autre festival et qui a dû se passer dans des conditions de confinement, avait beaucoup de travail après coup dans la post-production pour assurer la qualité. La bonne qualité, ça fait partie des bons standards de notre festival. Nous
avions pour le programme de notre festival une catégorie numérique. Le titre était l'immersion. Là, on avait nos artistes et ceux qui faisaient les performances en ce qui concerne les lieux. Ils travaillaient séparément. Les orchestres et les ensembles étaient placés autour du public. Et comment transmettre ceci sous forme numérique? Nous avons essayé de travailler de façon ambifonique. C'était un test qui n'était pas toujours réussi. On a essayé de transmettre ce qui se passait de façon visionnelle. C'était vraiment difficile et ça donne un degré de participation très élevé. Et c'était assez réussi. Mais nous avons pu observer un sentiment de communauté, c'est-à-dire les gens voulaient rester ensemble et nous répondons à ce besoin par des site walks, c'est-à-dire ce sont des promenades à travers la ville de Varsovie et la deuxième forme, ce sont des concerts en plein air. L'esthétique a changé également. Maintenant, il y a beaucoup de manifestations qui ont choisi la thématique de la vie commune, des actions communes. Et pour le festival musical, pour moi, il était important de rapprocher ce festival aux différentes catégories culturelles avec leurs créateurs, aux littéraires, aux gens de théâtre. Pour cette année, on avait donc comme sujet l'immersion. C'est un phénomène total. Et ce rapprochement avec d'autres festivals du théâtre, de la littérature, servait à cette thématique, développer les relations entre les êtres humains, se rapprocher des différents univers politiques, économiques, littéraires, etc. La presse nous a accompagnés. Autrefois, on s'est consacré surtout à la musique. Maintenant, grâce aux différentes autres possibilités, grâce à la pandémie, nous avons pu développer un caractère communautaire beaucoup plus fort. Nous sommes beaucoup plus conscients de l'importance de cette communauté. Ah oui, merci Gergé. Oui, je vais revenir en tout cas au thème de la communauté. Mais Maria Camela, la question du présentiel, puisque c'était très important pour toi d'avoir, tu voulais à tout prix, coûte que coûte, une présence physique, tu voulais avoir le public sur place, en chair et en os, tu voulais la rencontre, c'est ce qu'on a pu voir dans la vidéo. Le caractère numérique, la digitalité, qu'est-ce que cela signifie pour toi? Et ensuite, nous allons donc revenir au thème de la durabilité aussi. Bien sûr. Alors, en fait, pour moi, c'est deux choses très différentes. C'est-à-dire que y a le numérique qui est un outil, donc qui peut être utilisé. En effet, c'est comme un prolongement pour moi d'un projet artistique, mais ça ne peut pas se suffire en soi. C'est-à-dire que pour moi, le spectacle vivant reste le spectacle vivant, et on a besoin de ce partage. Qu'est-ce que c'est un festival? Donc, un festival, c'est quelque chose de festif, on va au festival pour se rencontrer, on va au festival pour partager le public, c'est une communauté, il fait communauté quand il va au festival, il fait la fête après, il va au bar, il discute, il s'engueule sur les spectacles parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent rencontrer les artistes, discuter avec eux après les spectacles, et c'est ça qui fait festival, c'est qu'il y a cette possibilité de rencontre. Et donc, de faire un festival que sur numérique, pour moi, c'était inenvisageable. C'est-à-dire que, ou alors, c'était autre chose, ça devenait autre chose. Donc, quand il y a eu cette pandémie, j'ai eu le choix de faire quoi? C'est-à-dire, en effet, que je me suis posé la question, est-ce que je fais quelque chose de numérique? Et en fait, c'est un peu une manière pour moi pour répondre à Yvonne qui disait on n'a pas réussi à s'arrêter et à réfléchir. Ben justement, je me suis dit, ben, je vais m'arrêter, je vais réfléchir. Et l'argent que j'aurais pu mettre à développer tout un projet numérique, en fait, je l'ai donné aux artistes
pour qu'ils puissent faire de la recherche, pour qu'ils puissent travailler sans rien avoir à faire au bout, c'est-à-dire sans qu'il y ait aucune visibilité. Et pour moi, c'était beaucoup plus important justement dans ce moment de crise où tout le monde, pas que les artistes se remettaient en question, le monde entier se remettait en question, c'était vraiment important pour moi d'offrir la possibilité aux artistes qui souvent se plaignent à juste titre de pas avoir assez de temps de recherche, d'être dans une productivité permanente, ben, je leur ai dit, voilà, vous avez, on va vous payer comme si vous aviez joué, on va vous donner de l'argent pour travailler entre vous et développer des choses que vous ne pourriez pas faire autrement. Et moi, j'ai préféré faire ça plutôt que de justement investir énormément d'argent dans le numérique. Jerzy tout à l'heure disait que ça, voilà, je ne sais plus combien de personnes il a cité, mais 100 personnes. Et c'est vrai, je travaille aussi avec l'Opéra de Lille et Caroline Thorier, qui en est la directrice, elle a développé tout un programme justement d'opéra à travers le streaming. Mais elle a mis énormément d'argent. Ça coûte extrêmement cher. Et l'Attitude Contemporaine, le festival que je dirige, n'a absolument pas les moyens d'investir dans autant de technologies pour que ça devienne intéressant pour le public. Je crois, enfin, souvent je dis, je crois au choc esthétique, mais vraiment. C'est-à-dire que pour moi, le spectacle n'a lieu que s'il y a choc esthétique, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre du public qui ne serait jamais venu dans un lieu X, assis à côté de quelqu'un qu'il ne connaît pas et qui se retrouve face à quelque chose qui va provoquer chez eux un choc esthétique. Et on le voit bien, je redécouvrais les images du teaser du festival et je m'efforce avec mon équipe que dans le public, il y ait... que ça soit le plus proche possible de nos sociétés, que ça soit l'image de nos sociétés. Il y a une diversité culturelle, il y a une diversité générationnelle, il y a une diversité sociale, et ça, j'y tiens énormément. Et le numérique, je pense, empêche ça. Mais ça vient aussi, je pense, de l'ADN du festival, c'est-à-dire que c'est un festival extrêmement engagé qui, depuis sa création, s'empare de problématiques de société. On a... fait un festival sur les questions de genre, on a fait un festival sur les questions de diversité culturelle, on a fait un festival sur les différences économiques dans la société, je pourrais en citer, et l'édition de 21, c'était de la représentation des femmes dans la société. Je me voyais mal faire un festival autour de la question de la représentation des femmes dans l'espace social et dans la société à travers le numérique. Pour moi, ça n'avait aucun sens. C'est intéressant de voir que vous avez développé des stratégies différentes tous les trois, puisque les festivals, les cadres sont très différents. Les disciplines culturelles aussi que vous traitez lors de vos festivals ne sont pas les mêmes. Et ce choc esthétique, on peut l'avoir aussi peut-être à travers le numérique, puisque je me rappelle de ma première pièce de théâtre que j'ai vue en streaming avec une copine. Et je me suis posé la question en amont, mais comment ça doit être? C'est comme regarder un film ou quoi? En fait, j'ai subi ce choc esthétique aussi à travers ce streaming. Bon, c'est un débat, évidemment. Mais malheureusement, j'aimerais donc parler de la durabilité alors que j'aurais pris plaisir de discuter plus en profondeur la question que nous sommes en train d'évoquer. Il y a donc des approches différentes. La durabilité est une question et va nous intéresser. Mais la durabilité, cela ne signifie pas seulement de ne pas faire venir quelqu'un en avion pour 45 minutes d'exposer cette durabilité verte. Mais la durabilité, ça veut dire aussi viabilité, pérennité, point de vue finance.
comment est-ce que vous assurez votre pérennité ou votre durabilité économique? Et si le numérique coûte autant d'argent, et vu que vous, peut-être, n'êtes pas finalement pas très bien soutenu financièrement, comment garantir l'avenir, même si vous n'êtes pas obligé de couvrir les dépenses avec les recettes à travers la vente de tickets? Mais comment assurer la durabilité sur le long terme pour garantir la visibilité? C'est une question qui m'intéresse, la stabilité financière. Maria, tu viens de dire que vous n'aviez pas l'argent et vous l'avez utilisé autrement. C'était votre voie, votre décision pour entamer une voie durable, pérenne, qui montre vers l'avenir. Est-ce que j'ai bien saisi ce message? Oui, c'est en fait un choix que j'ai fait. Je ne veux pas opposer le numérique au spectacle vivant. J'insiste sur le fait que pour moi, ces deux outils, le numérique est un outil supplémentaire comme l'être, je ne sais pas, le son, ou etc. Pour répondre à la question de la durabilité, je pense que c'est la manière dont je vais dévier un petit peu la question parce que j'ai pas envie de rester sur j'ai pas envie de rester sur les questions économiques parce que pour moi elles vont au-delà. Je pense que cette pandémie nous a transformés. Toutes et tous. Tout à l'heure, Jerzy disait qu'il se remettait en question sur le fait de s'adresser autrement au public, de travailler autrement avec le public. Et en effet, on en est tous là. C'est-à-dire que tout à l'heure, Yvonne disait comment on va faire revenir le public dans les salles. Ça, c'est des vraies questions. Et je crois que c'est des vraies questions, pour moi, en tous les cas, qu'on doit se poser. Encore une fois, ça m'a un peu confortée dans les axes que j'avais donnés au Festival d'Attitude Contemporaine, c'est-à-dire de m'adresser beaucoup plus au public, de les engager un peu plus dans le festival, de les engager dans beaucoup de spectacles. On fait beaucoup de spectacles où il y a des amateurs sur le plateau, par exemple, d'aller dans les espaces publics. Donc, on avait commencé à le faire de manière, depuis 4-5 ans, je pense, de manière comme des tentatives. Et en fait, la pandémie a fait qu'on a accéléré beaucoup plus ce travail dans l'espace public. Je pense que c'est… j'ai envie de parler de durabilité humaine, en fait. Und weißt du, Maria, das ist ja wunderbar. Maria, c'est formidable que tu as donc écarté un peu la question. Et évidemment, vous pouvez aussi préparer d'autres questions à travers le chat parce que moi, je suis en train de discuter avec nos interlocuteurs et interlocutrices. Mais, cher public, vous avez aussi la possibilité de participer à travers le chat. Et j'aimerais donc m'adresser de nouveau à Yvonne. Dans un autre entretien, tu avais dit à un moment donné, et tu as parlé de la pertinence systémique. Le théâtre, est-ce qu'il est pertinent et systémique pour les hommes, pour la société, pour l'économie? Puisqu'à un moment donné, tu avais dit, si de toute façon le théâtre n'est pas considéré comme étant d'importance systémique, mais au moins considérer le théâtre comme pertinent pour le fonctionnement d'une démocratie, c'est ce que tu avais cité. Et qu'en est-il aujourd'hui? Puisque évidemment la durabilité, cela couvre des champs variés, ça parle de climat, mais ça va bien au-delà, comme Maria vient de dire. Est-ce qu'il y a aussi l'humain dans tes considérations sur la durabilité? Il faudrait que je revenir sur la question de l'importance systémique.
systémique. Ça, c'était donc un grand débat pendant le premier confinement. Qui est important pour la société? La pertinence systémique, est-ce que c'est la culture qui fait partie de cette importance systémique, oui ou non? Enfin, moi, je trouve que les débats qu'on a menés à l'époque, c'était un débat assez limité. Donc, est-ce que c'est important pour le système ou est-ce que c'est peut-être important pour la démocratie? Nous, les acteurs de la culture et des arts, c'est notre métier, c'est notre obligation de soulever des sujets qui sont pertinents, qui sont importants pour la société. Enfin, le problème des genres, le taux des femmes, nous l'avons introduit chez nous, des quotas de femmes, puisque je trouve que les maîtrises en scène, surtout, mais d'autres artistes féminines étaient sous-représentées. Et c'est pour cela que j'avais donc introduit des quotas de femmes dans les festivals. Et je pense que nous, les artistes, nous avons la tâche et l'obligation d'introduire certaines règles. Et si l'on parle de l'égalité entre hommes et femmes, la diversité sexuelle, il y a beaucoup de personnes, ceci avait été déjà dit, qu'il y a donc une grande diversité dans la société qui doit être reflétée par ce que nous faisons, qui doit être reflétée par le public et par les mises en scène, sur scène et dans le public. Donc, nous pensons qu'une ouverture est indispensable. Et j'aimerais bien mentionner encore un autre aspect. La durabilité écologique doit être liée à d'autres aspects de durabilité. La rencontre des théâtres, là, à l'heure actuelle, nous sommes en train de faire notre bilan climatique. Nous avons coopéré avec d'autres structures pour dresser ce bilan, pour protéger les climats. Et je suis convaincue que certains budgets vont être liés à cette exigence de garantir la durabilité climatique. Donc, nous sommes confrontés à un appel qui nous concerne tous d'avoir des actions durables sur le plan climatique. Cela existe dans beaucoup de domaines. Il y a des exigences ou des contraintes quant à la neutralité climatique. Exactement. La neutralité climatique, c'est un terme fascinant, mais c'est aussi un terme assez contesté, puisque finalement, si l'on veut assurer la neutralité climatique, il faut commencer par l'économie. Et si l'on parle de la durabilité écologique, dans la culture, nous ne pouvons pas ne faire que la moitié des actions pour réduire les conséquences néfastes sur les climats. Donc, nous devons prendre des efforts supplémentaires pour assurer la neutralité climatique, mais c'est quand même un domaine spécifique. À l'heure actuelle, nous nous trouvons à un tournant esthétique. Est-ce que l'art numérique est un art tout comme les autres? Qu'est-ce que c'est l'art numérique? Est-ce que c'est un instrument, comme Mario Carmelo vient de dire? Est-ce que c'est plus? Comment peut-on créer le moment festival, donc cette particularité d'un vécu de festival? Comment on peut assurer ça sous forme numérique? Est-ce que ça peut fonctionner sous forme numérique ou est-ce que ça ne peut pas fonctionner? De toute façon, les efforts sont vains. On a pu vivre des moments fantastiques, mais tout ce qu'on a pu faire sous forme numérique ne peut jamais remplacer une rencontre physique directe. Entièrement d'accord. Bon, il faudrait en faire toute une table ronde à part. J'aimerais parler de résilience aussi. Bon, nous avons parlé de durabilité. Nous avons qu'est-ce que vous faites? Durabilité sociale, créative, écologique. Le numérique peut être peut-être une voie pour mener à cette durabilité. Mais allons un peu au-delà. La communauté est importante. Ceci a été dit.
Et ceci me mène au troisième bloc thématique qui est la collaboration, la coopération. Collaboration comme troisième sujet. Et j'aimerais savoir, vous jouez un rôle important au sein de la société avec vos activités, avec vos festivals, mais qu'est-ce qui a joué un rôle pour justement dans cette recherche de résilience, puisqu'il n'y a pas d'assurance dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la culture, globalement, il n'y a pas d'assurance. Est-ce que la collaboration a joué un rôle pour justement aller au-delà de la scène? Avec plaisir. C'est un sujet clé, au fond. Moi, je pense que la nouvelle musique au cours des 30 dernières années a suivi un développement démocratique, a pu profiter d'autres possibilités, de se rendre dans d'autres sphères. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que nous avons pu atteindre. Il y a plus de public, il y a plus de consommateurs, pour ainsi dire, de musique contemporaine. Finalement, la société, c'est quelque chose d'assez abstrait. La société, ça se passe seulement en termes, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Je pense que nous pouvons rester des créateurs tant que la société nous marque, tant que la société reste le pilier de ce que nous faisons. Le festival, c'est un échange d'expériences. C'est un partage d'expériences entre les musiciens, les artistes et le public. L'Internet nous aide à trouver d'autres formes et ceci, je pense, continuera de fonctionner. L'Internet, la numérisation, était une sorte d'instrument de sauvetage, mais ceci ne peut fonctionner que jusqu'à un certain degré. Nous avons parlé de l'intelligence artificielle. Nous avons parlé du centième anniversaire de Stanislav Lem qui a été fêté sous forme numérique. Stanislav Lem avait énormément parlé et écrit de l'avenir, y compris de l'avenir numérique. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Et dans les systèmes culturels, nous devons être prêts aux modifications, aux changements. Et je pense que nous le sommes, puisque nous assurons les changements, le festival, avec les nouvelles expériences, avec les nouvelles reconnaissances, avec les nouvelles formes d'expression. Tout ceci doit être gardé, doit être conservé. Et je suis plutôt optimiste. L'aspect économique joue un rôle, bien sûr, pour la nouvelle musique. La décentralisation est extrêmement importante. L'administration culturelle a bien compris ceci dans les années 90. En Pologne, il y a eu une tendance très forte de décentralisation. Les petites villes, les villes moyennes sont devenues autonomes, les petites communes sont devenues indépendantes et ceci se montre et se reflète dans la culture. La stabilité du système doit être gardée, et ça nous permettra de regarder avec optimisme vers l'avenir, car le monde qui nous entoure va être pilié aussi à l'avenir de tout ce que nous faisons, indépendamment de l'épidémie. Mais bien sûr, une telle épidémie a une influence sur toute la création qui est la nôtre. L'autonomie, oui, un point essentiel, être autonome dans ses prises de décision. Ça, c'est intéressant. Et ce qui m'intéresse, c'est l'idée de la collaboration, puisqu'on est tous d'accord sur le fait que les festivals sont un lieu d'échange. Il y a l'audience, le public, mais il y a aussi les artistes.
Vous travaillez à l'échelle internationale, tous les trois, avec des troupes de théâtre, avec des artistes. Il y a un échange permanent, il y a un apprentissage mutuel. Ensuite, il y a des nouveaux aspects esthétiques qui se créent à travers les rencontres et les échanges. Nous avons vu que le numérique joue un rôle. Oui, nous avons vu que le numérique n'a pas que des avantages. Et d'où ma question pour parler de la collaboration. Est-ce que vous étiez obligé de créer des nouvelles collaborations avec des entreprises technologiques, par exemple, ou est-ce qu'il y avait donc une collaboration à l'échelle internationale, un échange d'expériences? Comment faites-vous? Nous, en France, nous avons des problèmes. Les conditions ne sont pas les mêmes. En fait, la collaboration, le travail collaboratif au sens large, à l'échelle nationale et internationale, comment avez-vous pratiqué ceci? Est-ce que vous l'avez pratiqué et en quelle mesure cette collaboration vous a aidé à donc survivre, à laisser des problèmes derrière vous? Qui veut se lancer en premier? Au fond, j'ai voulu donner la réponse à cette question avec ce que je viens de dire, sans avoir l'intention. Voilà, puisque tu poses pour la deuxième fois la question, je vais essayer d'y répondre. Coopération sous forme de mise en réseau. La pandémie nous a poussés à développer un nouvel esprit de coopération. Pendant un festival, nous présentons une vingtaine de nouvelles œuvres. Et bien sûr, nous passons des commandes à des musiciens français, allemands et d'autres nationalités. Donc, notre festival est une partie de tout un réseau d'autres festivals. Nous coopérons avec le Centre Pompidou. Une partie des commandes qui ont pu être passées étaient rendues possibles grâce au soutien de Strasbourg, les journées de la musique et de BDL ou d'autres formes de coopération. Nous préparons ensemble certaines productions pour que la musique se répande encore plus. Ce sont des manifestations de grande envergure où nous présentons différentes productions individuelles. Et finalement, l'intention que nous poursuivons, c'est que tout ceci soit montré dans toute l'Europe, à différents endroits en Europe. Les différentes manifestations qui ont été présentées pour le festival doivent être montées aussi en dehors du festival. Doit faire le tour en Europe pour favoriser l'échange entre les jeunes créateurs, pour coopérer avec le Conseil de la musique allemand, avec les différents orchestres en Allemagne et en France et ailleurs. Ceci nous permet d'apprendre plein de choses. Il ne faut pas avoir la prétention de faire tout seul, de réussir tout seul. Et ceci, pas seulement pour des raisons économiques d'ailleurs. Moi, je suis catégoriquement contre toute priorisation. Moi, je suis contre une présentation verticale. Moi, je suis pour la coopération horizontale. C'est ce qui me semble être important. Le monde devient de plus en plus compliqué et coopérer sous forme de réseaux, c'est la seule façon pour donner une réponse à cette mondialisation. C'est la seule possibilité de coopérer plus étroitement à travers les différents caractères de nos festivals. Absolument. J'aime bien cette approche verticale, horizontale. Marie-Carmela, je pense... Chez vous, c'est déjà très horizontal, à travers les disciplines différentes. Quels sont les aspects donc, de collaboration pour toi? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? Alors, en fait,
Depuis la création du festival, je collabore parce que le festival d'attitude contemporaine n'a pas de lieu. Et je me suis toujours appuyée sur des réseaux européens et internationaux, puisque notre structure, depuis 2008, est chef de file de plusieurs projets européens. Donc, pour moi, la collaboration européenne à minima est extrêmement importante. On a mis également en place donc un projet européen qui s'appelle INFRA, Inclusive Network for Refugees Artists, pour justement soutenir les artistes en situation d'exil, et ça depuis 3 ans maintenant, je pense. En tous les cas, dans les réseaux dans lesquels je suis, ce qui s'est fait ressentir, c'est la nécessité de retrouver un sens et de redonner un sens aux choses. Mm-hmm. Et cette pandémie, je pense nous a fait perdre beaucoup, en tous les cas, a créé beaucoup de doutes, plutôt, je préfère dire ça, chez nous, et avec une nécessité absolue de retrouver un sens aux choses qu'on fait. D'où ma volonté de travailler de manière de plus en plus forte avec le public, avec un travail de médiation et au plus près des publics, et de faire en sorte que les artistes soient de plus en plus en relation directe avec le public. Et ça me paraît nécessaire. Et ce que j'ai envie de partager, c'est aussi peut-être mon mois d'août. Ok. Alors, j'étais partie pour être en vacances. Et, das fängt gut an. Oui. Commence bien. Et après une semaine, je suis rentrée à Lille. J'ai interrompu mes vacances parce qu'il y a eu cette crise en Afghanistan. Avec une artiste afghane que j'accompagne depuis maintenant 6 ans, nous avons fait une liste de 92 artistes à sortir d'Afghanistan, et en particulier des femmes d'ethnie Hazara et artistes, parce que c'était les personnes les plus vulnérables. Nous avons fait donc cette liste de 92 artistes, plus les familles, donc ça fait 150 artistes. Et donc, nous avons passé nos jours et nos nuits à faire sortir ces artistes d'Afghanistan, sous les balles des Kalachnikovs. On était en WhatsApp en permanence et on avait le bruit de la guerre en permanence, jour et nuit. Donc nous étions à 3 à faire ce travail, et très vite, très très vite, on s'est dit, si on fait sortir ces artistes, il faut qu'elles aient un point de chute. C'est pas des personnes en exil, ce sont des artistes. Et en fait, j'ai commencé à appeler des amis programmatrices et programmateurs. Et en 3 jours, nous avions 35 lieux d'accueil, de résidence pour un minimum d'un an. Et je pense que si cette pandémie n'avait pas eu lieu, je pense que ça aurait été différent. Et que les choses se seraient passées très différemment. En tous les cas, je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire que je me suis dit, en fait, si cette adhésion autour des artistes en situation d'exil se fait aussi vite, c'est parce que pour les lieux et pour les personnes qui dirigent ces lieux, il y a une recherche de sens. Il faut retrouver, et en fait, ça leur a permis de retrouver un sens. Et je pense que c'est vrai parce que avant-hier, je suis allée à Marseille et pour aller voir des spectacles et en train. Et il y avait une personne qui accueille des artistes afghans et afghanes dans son lieu, que je n'avais pas vu, que j'avais eu que via WhatsApp. Et quand je l'ai vu au bar, il m'a sauté dans les bras et il m'a embrassé, mais comme si je lui avais apporté quelque chose d'extraordinaire. Et je me suis dit, mais en fait, c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi on fait les choses et de retrouver un sens commun. Et une solidarité en fait internationale, et en fait peut-être que c'est
l'arme qui va nous sauver de la mondialisation. Ça fait prétentieux peut-être de dire ça, mais j'ai envie de le dire. Nein, das ist wunderbar. Danke so sehr. C'est magnifique, merci d'avoir partagé cette expérience. C'est vraiment, ça donne du sens à nos actions. Comme Yvonne l'a dit au début, bien sûr, on fait de la culture, mais... Et ce que tu as fait, c'était formidable, puisque tu as dit que ce ne sont pas des personnes en exil, c'était des artistes. Tu as donc compris, et c'est le rôle aussi de l'art et des responsables qui organisent des festivals. Et je t'en suis très reconnaissante. Yvonne, maintenant, est-ce que tu as envie de dire quelque chose par rapport à la collaboration ? Avant de passer au dernier thème, le théâtre de l'avenir, qui sera donc comment allez-vous entamer l'avenir? Mais avant de parler de l'avenir, j'aimerais donc redonner le micro à Yvonne pour parler de la collaboration. Je vais être très bref, puisque je suis entièrement d'accord avec ce que viennent de dire mes deux amis qui ont pris la parole. La coopération a gagné en importance, mais elle était toujours très importante, surtout la coopération transnationale dans le travail artistique. Chez nous, nous avons constaté que le Festival du Monde a eu lieu à Düsseldorf en été, et pour les artistes qui ont pu se présenter, il était énormément important de pouvoir participer. Le fait que le festival a pu avoir lieu, le Forum international pour la rencontre des théâtres allemands n'a pas pu avoir lieu pendant 2 ans. On ne voulait pas participer jour et nuit à des conférences Zoom. Avec le décalage du temps, ce n'est pas possible. Mais nous avons maintenant un groupe d'artistes qui se sont pu connaître grâce aux rencontres numériques, et ils vont se rencontrer maintenant en mai prochain physiquement, en chair et en os, et voilà, ça donne un résultat quand même assez étonnant. La coopération, et surtout la coopération transnationale, reste très importante. Merci, merci. Ceci donc me permet de passer au dernier sujet. Et j'aimerais vous demander tout simplement, esquissez-moi un scénario de l'avenir pour votre festival ou pour les festivals en général. Quel est, selon vous, le scénario de l'avenir, ou qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qui va changer? C'est comme vous voulez. Yashi, peut-être tu commences? Dis-moi, ton festival de l'avenir, il sera comment? L'automne de Varsovie d'ici 20-25 ans. Comment tu le vois, selon toi? Moi, je ne peux pas porter des pronostics en ce qui concerne le côté artistique du festival. À 90%, le festival est conçu par les artistes même. C'est donc une concentration des différentes tendances dans le monde. Je ne peux pas faire des pronostics puisque je ne sais pas ce qui m'attend dans 4 ans. Quel sera donc le sujet principal des artistes dans 4 ans? Mais je pense le festival va continuer à observer la réalité, le développement. Et je pense que le festival va rester un stimulant. Les différents thèmes des festivals depuis quelques années, c'est un tout petit peu différent pour un festival musical. On dit que un festival musical a toujours un caractère asémantique par rapport à d'autres festivals cinématographiques ou dramatiques, etc. Je vous avais bien dit que la musique contemporaine se sert des nouvelles technologies. C'est une absorption aussi des différents arts comme littérature, comme enregistrement, comme sample, etc. Donc, la musique est devenue un art
parlant qui définit bien la réalité. Je pense que ça restera comme ça. Je pense que le musicien va être un artiste total qui ne travaille pas uniquement avec des sons. Il aura une base de travail beaucoup plus large. Il pourra organiser des films musicaux. Il aura la possibilité d'inclure dans sa musique des effets d'éclairage, de lumière. Donc, les énoncés musicaux vont être très objectifs et le festival de l'avenir va être un festival intermédial. Il y aura moins de musique et plus d'autres médias présents. Et je pense que nous allons travailler entre deux tendances, mondialisation d'une part et privatisation d'autre part. C'est-à-dire chaque action aura une contraction. Dans le numérique, on l'observe partout. Partout, il y a des vidéos. Gennaradik, c'est un concert électrique qui avait été organisé cette année. C'était comme une douche froide dans ce contexte, puisqu'il y a eu beaucoup de réactions d'opposition. Chaque fois qu'on développait une thèse, il y a une contre-tendance. Réponse, contre-réponse. Visualisation, anti-visualisation. Socialisation contre des idées abstraites, etc. Donc, il y a toujours deux tendances contraires. Je reste optimiste en ce qui concerne la perception par le public. Je pense que nous avons le devoir de garder les possibilités de perception. Je suis optimiste en ce qui concerne la possibilité d'observation. Le public et chaque membre du public est une partie intégrante d'une communauté. Nous avons tous le besoin de faire partie de cette communauté, mais nous aurons de plus en plus des devoirs et des obligations sociétaux. Et nous devons nous rendre compte que nous sommes responsables pour le monde. Et ça nous séparera de cette fonction d'observateur, un créateur, un artiste, quelqu'un qui crée quelque chose, va être quelqu'un qui doit se battre pour assumer sa responsabilité pour le monde. Et j'ai un peu peur qu'on se trouvera en situation de combat permanent. Donc, cette perception existentielle qui est la nôtre aujourd'hui va être refoulée à l'arrière-fond. Nous deviendrons de plus en plus citoyens au détriment de notre possibilité d'être créateurs, d'être artistes. Nous serons confrontés à des devoirs de plus en plus nombreux. Mais c'est exactement de quoi il s'agit, cette bataille à mener, de donner tout. Désolée de t'interrompre, Yergi. Le problème, c'est, en fait, on pourrait en faire un séminaire entier, la bataille dans le domaine de la culture, mais j'aimerais donc poser la question à Yvonne. Quelle est ta vision de l'avenir pour tes rencontres théâtrales? Tu partages ce qu'a dit Gergi ou tu as d'autres avis? Maintenant, on a déjà certaines tâches sur l'agenda. Et bien sûr, il y a des souhaits. Je souhaite plus d'ouverture vers la ville, vers la société urbaine. J'espère que le théâtre, la rencontre des théâtres, reste un lieu de dispute, de discussion, pour continuer les discussions sociétales telles que nous les avons connues dans les années avant la pandémie. J'espère que le festival gardera sa force de discussion. Et en ce qui concerne la durabilité, j'espère que nous allons trouver de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes de travail pour rester durable dans le sens écologique pour apporter notre contribution à la réalisation du programme de Paris. C'est notre tâche aussi.
Absolument, merci. Maria Carmela, je vais commencer avec toi. Maintenant, nous allons te donner l'opportunité d'esquisser ta vision d'avenir. Comment vois-tu l'attitude contemporaine, encore plus contemporaine? Ce sera un festival encore plus contemporain ou comment vois-tu l'avenir de ton festival? Oui, je pense que ça va être un festival encore plus contemporain, mais peut-être encore plus solidaire et encore plus inclusif et représentatif de ce que sont nos sociétés aujourd'hui et qu'elle soit la représentation des diversités à tous les échelles, c'est-à-dire qu'elle soit sociétale, de questions de genre, des questions économiques, comme je le disais tout à l'heure, mais peut-être l'assumer encore plus, et le revendiquer encore plus, et puis travailler évidemment sur les problèmes de développement écologique, parce que c'est aussi évidemment, nous devons prendre notre part de travail sur ces questions, puisque ce sont des questions qui nous concernent toutes et tous à l'échelle mondiale. Donc je pense qu'en effet, il faut qu'on se pose ces questions également, donc on va faire un gros travail avec mon équipe sur ces questions. On a déjà commencé, mais je pense qu'on va amplifier les choses et puis continuer à être solidaire de chacune et chacun dans cette société, je crois. Oui. Danke sehr, danke, es ist wunderbar, es ist so eine Merci. Ehre. Merci, je me sens vraiment honorée d'avoir des interlocutrices, interlocuteurs imprégnés de l'humanité. Ça fait plaisir. Et maintenant, il est déjà 5h30 et je regarde s'il y a des questions dans le chat. Pas tout à fait, mais tout d'abord, j'aimerais dire merci de votre participation. Merci à vous trois. Yvonne, Maria Carmela, Yergi, c'était formidable d'avoir eu l'occasion de vous rencontrer grâce à cette rencontre virtuelle. Merci aux interprètes qui ont essayé de surmonter des obstacles linguistiques.